Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La religion et l'être humain. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, certes, le message de l'islam est un message humanitaire et sublime, qui apporte le bonheur à l'humanité entière. Allah, gloire à lui, dit, certes, nous ne t'avons envoyé que pour miséricorde à tout l'univers. Le prophète dit, je ne suis envoyé que pour parfaire l'immoralité le plus noble. Sans doute, notre religion honora l'être humain sans égard pour sa couleur de peau, son sexe, sa langue ou son ethnie. Allah, gloire à lui, dit, certes, nous honorons les descendants d'Adam, sans dire, honorons les musulmans seulement, ni ceux les croyants. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit, ô les humains, certes, votre Seigneur est un, votre Père est un, l'Arabe n'a de prévalence sur le nom arabe, ni le nom arabe sur l'arabe, ni le rouge sur le noir, ni vice-versa, que par la piété, le plus noble parmi vous et le plus pieux. Préservant l'âme, notre grande religion immunise toute âme et tout sang. Pas question de foncer à cause de la confession, ni de meurtre à cause d'une croyance, car la préservation de l'âme est au nombre des six prescriptions majeures que le charia préserve. Allah, gloire à lui, dit, et ne tue l'âme qu'Allah immunise que par un motif légal. Et quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Le prophète dit, le musulman a encore ouvert la voie de repentir tant qu'il ne vise pas un sang humiliable. La dimension humanitaire de notre pure religion n'est pas restreinte à éloigner la nuisance. Elle exhorte à supporter la nuisance et à la tolérance qui est une moralité intégrale dans notre religion, notre culture et notre nature. Le Coran est un appel à la tolérance. Allah, gloire à lui, dit, accepte ce qu'on t'ouvre de raisonnable, commande ce qui est convenable, éloigne-toi des ignorants. Et qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne. Et Allah est pardonné et miséricordieux. C'est également la tradition de notre prophète, qui dit qu'Allah agrée dans sa miséricorde un homme tolérant lorsqu'il vend, achète ou se fait rembourser. Un homme entre le paradis grâce à sa tolérance, en remboursement et en échéance. En islam, la valeur de tolérance est une méthode en entretien avec tous les humains. On les accepte, respecte, rend service à vous, en vente, achat, échéance, entre autres domaines de la vie.
parmi les sublimes valeurs humaines, prêchées par l'islam, on cite la parole douce qu'il faut adresser à tous les humains sans distinction. Allah, gloire à lui, dit, et dit de la bonne parole aux humains et ordonne mes serviteurs de dire la meilleure parole. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Parmi les valeurs humaines, on cite l'entre que l'immense don, l'utilité est destinée à la société entière, ce qui incarne le principe de la fraternité humaine, ce qui fonderait une société cohérente sur la mort et la donation. Allah, gloire à lui, dit, et nous t'avons envoyé coup pour miséricorde à tout l'univers. Notre prophète dit, les cléments sont agréés dans la miséricorde de clément. La parabole dit croyant en l'air entre affection, entre clémence et entre sympathie et celle de corps compact dont quand un membre souffre, les autres le consolent par la veille et la fièvre. Et elle n'est pas de notre quiconque ne traite pas avec clémence notre mineur ni en respect notre majeur. On a donc besoin d'être conscient de la vérité, de la vérité de la religion et sa valeur humaine. Ce pour nous, société, soit stable et régnée par la solidarité et la cohérence. Quiconque se déraille de ces valeurs s'éloigne non seulement des exigences des religions, mais également de celles de l'humanité. Il se dépouiller de sa dignité humaine et de la nature saine avec laquelle Allah créa les humains. Où Allah préserve notre pays l'Égypte et tous les pays du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.